Un petit vent, s'il vous plaît, un petit vent. Écoutez-moi, écoutez-moi. Bienvenue à la soirée de Géopolitique Profonde. Je suis très heureux, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour fêter les 200 000 abonnés de la chaîne YouTube. Merci à vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Franck Pengam, je suis le fondateur et le gérant. Il faut savoir que c'est quand même un vieux projet, j'ai fondé ça en 2017-2018. Je ne vais pas parler de ma vie, de la genèse, mais vous connaissez premièrement Géopolitique Profonde au travers de son animateur phare, l'homme qui dégaine les lives, plus que son ombre. Vous pouvez applaudir Mike Borowski, s'il vous plaît. En deuxième animateur, quelqu'un de très important, il fait les lives fleuve du dimanche. Retenez son nom, retenez son visage, vous allez en entendre parler d'ici les prochaines années. Veuillez applaudir Raphaël Bossu, s'il vous plaît. Et enfin, le troisième et dernier animateur, il fait la jonction entre nos amis de Radio Courtoisie et Géopolitique Profonde. Il fait des fleurilages, il fait des libres journaux dans celui de Géopolitique Profonde. Il est régulièrement assisté de la Astam qui organise également cette soirée. Veuillez applaudir son fait Nicolas Stocker. Et merci beaucoup à Lara pour avoir aidé à l'organisation de cette soirée. Merci beaucoup Lara. En plus, elle est plus belle en vrai. J'ai bientôt fini. Ouais, super. Avant de partir, je vais vous donner un petit cadeau. Donc là, en fait, les 200 000 abonnés, on en aura 215 000 et quelques. Je vous annonce que j'ai fait l'acquisition d'une deuxième chaîne YouTube pour quasiment 200 000 abonnés. Donc en fait, aujourd'hui, on a 400 000 abonnés. Dans quelques temps, d'ici août, vous allez voir qu'il va y avoir de nouvelles émissions, notamment animées par Nicolas Stocker et Raphaël Bessu. Ça va se passer sur la deuxième chaîne YouTube. Vous allez entendre parler de ça bientôt. Pendant que vous serez en vacances, on va continuer, on va lancer de nouveaux formats. Donc on vous attend qu'il y ait fermé sur la deuxième chaîne YouTube. Vous allez en entendre parler d'ici quelques temps. Bravo! Bravo! Dernier point également, je sais que souvent on me dit dans mon oreillette, question sur les financements de Géopolitique Profonde. Alors je vous dis, on n'est pas financé par la Russie. D'accord ? Vladimir Poutine ne nous donne pas d'argent, malheureusement, ce serait trop facile. En fait, j'ai fondé une entreprise en 2017 et depuis 2019, je vends des livres, les miens notamment, des revues et des méthodes de stratégie d'investissement qui permettent notamment de se débancariser face à des régimes de plus en plus autoritaires. J'y crois avec conviction, je vends ça depuis 2019, c'est ça qui finance Géopolitique Profonde. Donc, retenez bien ça, allez sur le site internet et vous verrez d'où vient l'argent. Soutenez-nous et vous pouvez compter sur moi pour réinvestir de toute façon les fonds dans la résistance française. Merci à vous. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Bonsoir tout le monde. Oui. Alors merci à vous d'être si nombreux. On pensait pas que vous seriez si nombreux, mais on voulait tous vous inviter parce que l'objectif c'est qu'on se voit, c'est qu'on se rencontre, c'est qu'on discute entre nous, c'est qu'on se pousse, c'est qu'on s'embrasse aussi. Ils ont voulu pendant 2 ans nous enfermer, nous mettre entre 4 murs. Et bien nous, on est là avec vous et on ne les écoute pas. Alors, comme l'a dit votre patron, c'est lui le patron, hein, Géopolitique Profonde. Géopolitique Profonde, il est là pour vous informer du mieux possible. Ce que les médias ne veulent pas dire, veulent cacher, eh bien nous le dévoilerons. Nous le dévoilerons avec les affaires Jean-Michel, que vous aimez. Nous les dévoilerons aussi avec Davos, que vous aimez aussi. Nous allons parler de Klaus Schwab, notre ami Klaus qui est là. Nous allons dévoiler nombre d'affaires. Nous travaillons avec nombre de médias, de journalistes. Nous avons ici par exemple Sylvie Charles qui est là. Allô Sylvie ! Allô Sylvie ! Allez là-bas. Bon. La papa. Ouais, en tout cas, on dévoile des
les affaires parce que c'est notre objectif. Ce que les grands médias subventionnés ne veulent pas faire, c'est-à-dire dévoiler des enquêtes, nous le ferons. Et nous donnerons aussi la parole à un maximum de monde. Et encore plus, vous verrez ça, nous ouvrirons nos plateaux. Nous avons ouvert nos plateaux à notre Frigide nationale, qui est là, à Jacqueline, qui est là aussi. Je vois Paul-Marie Couteau qui est là, je le salue. Serge Federbuch et tous nos amis. Ah là là, notre Pasco national aussi. En tout cas, le but étant aujourd'hui, je vous dis très sincèrement, qu'on puisse échanger ensemble. Donc moi, je suis là jusqu'à minuit, on va discuter ensemble. Et sachez une chose, c'est qu'ici, vous n'êtes pas que des abonnés. Vous n'êtes pas que des abonnés. Vous êtes la famille. On est en famille ici ce soir. On est en famille. Et je suis fier de vous avoir comme membre de ma famille. Merci à vous. Juste pour finir, je vais faire un remerciement aux petites mains, ceux qu'on ne voit pas. Donc, les community managers, Cécile, Carla, on peut les applaudir s'il vous plaît. On a également Julie qui fait le montage, Jessie qui fait la programmation, les studios Valentin, Stéphane à la technique, merci à elle. Virginie à la technique de Radio Proposé également, merci à elle, vous êtes bienvenue. Merci à ces gens-là que vous ne voyez pas, mais qui travaillent beaucoup également. Merci à vous, bonne soirée. Voilà pour ça.